Learn and play. ألعب وأتعلم. هيا بنا. بسم الله. والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. Alors je veux le silence. Les enfants, donc aujourd'hui c'est le dernier cours de l'année. Après, Inch'Allah, ce sera les vacances et on reprend, Inch'Allah, les cours au prochain cours. Alors, les filles, les jeux, c'est après l'histoire, d'accord? Non, celle Sabine, elle écoute l'histoire. Après, tu pourras jouer. Donc, aujourd'hui, on va parler d'une chose très, très importante. Toute l'année, on a travaillé. Toute l'année, on a fait nos devoirs. Toute l'année, on est venu à la mosquée pour une seule chose. Et cette chose, c'est le paradis. Tout ce qu'on a fait, c'est pour aller au paradis. Donc aujourd'hui, comme c'est le dernier cours, eh ben on va parler du paradis. On va parler du paradis. Paradis. D'accord. Quand on était là-bas, on avait entendu. Alors le paradis, c'est l'endroit où Allah tabaraka wa ta'ala il va accueillir les croyants, les musulmans, ceux qui ont cru en Allah tabaraka wa ta'ala, ceux qui ont cru aux anges, ceux qui ont cru aux livres qu'Allah a révélé à ses prophètes, ceux qui ont cru aux prophètes, ceux qui ont cru au jour dernier, ceux qui ont cru au destin, qu'il soit bon ou mauvais, ceux qu'ils ont adoré Allah tabaraka wa ta'ala, eux pourront aller au paradis. Et le paradis, il est tellement beau et il est tellement magnifique que ces briques sont en or. Les briques du paradis, elles sont en or. Et les briques du paradis sont en argent. Tout le paradis, tous les murs du paradis, c'est de l'or et c'est de l'argent. L'odeur de la terre dans le paradis, c'est l'odeur du parfum, c'est l'odeur du musc. Dans le paradis, il y a des galets. Vous savez, c'est quoi des galets? C'est des taureaux. Il y a des petits cailloux par terre. Et bien, tous les cailloux dans le paradis, c'est des perles précieuses et des rubis. Tout ce que tu... C'est-à-dire au paradis, tu pourras ramasser... Tu pourras ramasser toutes les pierres précieuses et tous les rubis. Dans le sol du paradis, il y a du za'afaran, du safran. C'est une épice qui sert à parfumer et à donner un goût. Je pense que Kawthar, elle ne veut pas écouter le paradis, ça ne lui intéresse pas, Kawthar. Hein, Kawthar, tu... Non, ça ne t'intéresse pas, puisque tu me tournes le dos. Et tu ne m'écoutes pas. Donc je vais être triste et je ne vais pas pouvoir parler du paradis. Donc est-ce que vous allez m'écouter? Oui. C'est quand même le paradis, c'est ce que l'on cherche. Toute l'année, on veut aller au paradis. Donc on doit écouter pour savoir c'est quoi le paradis. Dans le paradis... Le paradis, il est tellement grand qu'il y a 8 portes. Il y a 8 portes dans le paradis. Et pour aller d'un endroit à l'autre de la porte, il faut marcher pendant 3 jours. C'est-à-dire que pour aller de l'endroit de la porte à l'autre bout de la porte, tu dois marcher pendant 3 jours.
Tellement la porte, elle est immense. Et il y aura, et cette porte sera remplie de gens. Alors ça n'existe pas ici, sur terre, ça n'existe pas. Mais dans le paradis, ça existe. Allah, il n'est pas dans le paradis. Allah, il est au-dessus de toute sa création. Allah, Azza wa Jal, il est au-dessus de toutes ses créatures. Par contre, les questions, c'est après. Donc, les portes du paradis sont de 8. Il y a 8 portes. Thamaniyatu abwab. Il y a 8 portes dans le paradis. Et elles seront remplies de monde. Et le paradis, c'est comme des étages. Et il y a 100 degrés. Il y a 100 étages. Et au plus où tu as fait des hasanats, au plus où tu pourras monter. Au plus où tu connais le Coran, au plus où tu pourras monter. Au plus où tu connais les sourates, au plus où tu pourras monter. Celui qui connaît tout le Coran, il pourra aller tout en haut. Mais celui qui ne connaît pas beaucoup, un tout petit peu, ben, il va rester en bas. Parce que pour aller tout en haut, il faut apprendre le Coran. Et entre un étage et l'autre, la distance entre un étage et l'autre, c'est comme la distance entre le ciel et la terre. Donc c'est immense et c'est très très haut. Et le plus haut degré du paradis, il s'appelle le Firdaus. Il s'appelle le Firdaus. C'est pour cela qu'on demande à Allah Azza wa Jal, on demande à Allah Tabaraka wa Ta'ala de tous nous entrer dans le Firdaus. Donc on lève les mains et on dit Allahumma nas'aluk bi asma'ik al-husna wa sifatika العلا أن تجعلني من أهل الفردوس اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أجود الأجودين يا رب العالمين Et au Firdaus, c'est le degré le plus haut du paradis. Et toutes les rivières du paradis, elles prennent leur source au Firdaus. Donc toutes les rivières, comme la rivière de Tasnim, comme la rivière de Salsabil, comme la rivière de Kauthar, toutes ces rivières-là, elles prennent leur source au paradis. Également, au-dessus du Firdaus, est-ce que vous savez ce qui se passe au-dessus du Firdaus? Qu'est-ce qu'il y a au-dessus du Firdaus? Oui, Firdaus. C'est beau ce que tu dis. Au-dessus du Firdaus, il y a le trône d'Allah Azza wa Jal. Mais on ne peut pas dire que le trône d'Allah, il est en or. On ne sait pas comment il est le trône d'Allah. On ne peut pas dire qu'il est en or. Donc, on sait qu'au-dessus du Firdaus, il y a le trône Tabaraka wa ta'ala. Et les rivières du paradis, elles ne cessent de couler. À chaque fois que tu veux que la rivière coule, elle va couler. Tout ce que tu veux dans le paradis, tu l'auras. Et dans ces rivières, il y a du miel, du lait, de l'eau et du vin. Très bien. On peut boire le vin du paradis.
Ici, on ne peut pas boire le vin parce que quand tu bois, le vin d'ici, il te rend tout foufou. Et c'est haram. Et Allah Azza wa Jalla nous a interdit de boire le khamar. D'accord? Et Allah Azza wa Jalla nous a interdit de toucher le khamar. De porter le khamar. C'est-à-dire, même si un jour quelqu'un il te dit, tiens, porte la bouteille juste pour que tu la mets là. Même ça, tu n'as pas le droit. C'est interdit de vendre le khamar, d'acheter le khamar. Même une goutte, c'est interdit. Quand vous êtes au parc et vous voyez une bouteille de khamar par terre, vous ne la touchez pas, vous ne la ramassez pas, vous y touchez pas. Même si vous la touchez, même si elle est par terre, voilà. Voilà, les canettes. D'accord, donc attention. Jamais, le khamar, c'est du poison. Donc jamais dans cette vie vous touchez, même on le regarde même pas. Vous ne le regardez même pas. Quand vous êtes à Auchan, quand vous êtes à magasin, vous le regardez même pas. Moi, la dernière fois, on était au magasin, il y avait du khamar, on a même pas regardé. C'est bien. Et dans le paradis, tu auras tous les fruits que tu veux. Les questions, c'est à la fin, les enfants. Tu auras tous les fruits que tu veux. Et tout ce que tu veux, tu l'auras sans aucune difficulté. Il y a pour le croyant dans le paradis une tente creusée. C'est-à-dire que ta maison, ce sera une perle précieuse géante. Et dans cette perle précieuse géante, on va creuser ta maison. Ta maison, ce sera dans une perle précieuse. Ouais. Tellement elle sera magnifique. Elle sera immense. Et dans le paradis, on n'aura pas de poils. Comme vous les enfants, on n'aura pas de poils. Et les papas, ils n'auront pas de barbe. Les papas, ils n'auront pas de... B-A-R-B. De barbe. Et dans le paradis, on sera tous beaux. Et tous les vendredis, il y aura un marché dans le paradis. Tous les vendredis, il y aura un marché dans le paradis. Et à chaque fois que tu vas aller faire tes courses dans le paradis, eh ben, tu deviens encore plus beau que tu n'étais avant. Dans le paradis, on aura du kohl sur nos paupières. C'est le noir ici pour soigner les yeux. Également dans le paradis, il n'y a pas de personnes âgées. Il n'y a pas de personnes âgées. Tout le monde y sera jeune, on aura 33 ans. D'accord ? Dans le paradis, personne n'est malade. Personne n'a froid. Personne n'a chaud. Personne est triste. Personne est jaloux. Personne est énervé. Personne pleure. Très bien, Tesnim. Et personne. C'est quand même dur que je peux pas en placer une aujourd'hui. Hein. Personne n'ira aux toilettes. Au paradis, il y aura des peignes pour se coiffer les cheveux. Et ces peignes seront en or. Dans le paradis, on aura de la sueur. Mais la sueur, ici la sueur, quand tu cours, t'as vu, ça coule. Au paradis, il y aura de la sueur. Mais ici, la sueur que tu as, elle sent pas bon. Alors qu'au paradis, à chaque fois que tu as de la sueur, et ben c'est du parfum qui coule de toi. Tu sentiras toujours bon. Également au paradis, les hommes, ils auront des épouses, des femmes qui seront très, très, très belles. Et cela pour tous les hommes. Et au paradis, notre femme ou notre mère ou notre sœur sera... Dans le paradis, notre femme, notre maman, notre sœur, elle sera encore plus belle que les femmes du paradis. Vous, les filles, vous serez encore plus belles que les femmes du paradis. Pourquoi ? Parce que vous avez fait la salade. Dans le paradis, il y a des femmes qui n'existent que dans le paradis. Elles seront très très belles. Et les garçons, ils seront très beaux. Et il y aura même des jeunes garçons qui n'existent que dans le paradis. Ce sera des servants.
ils pourront nous servir. Ishaq, tout à l'heure, a demandé, il y a qui au paradis? Au jour d'aujourd'hui, il n'y a personne. Le premier qui va rentrer au paradis, ce sera le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, ce sera les prophètes. Ensuite, oui, ensuite les autres prophètes. Ensuite, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, les compagnons des... Les anges, on pourra les voir, mais les anges, ils n'iront pas au paradis. Parce que les anges, eux, ils vont pas être récompensés. Eux, les anges, ils sont là que pour obéir à Allah. Tu vois? Obéir à Allah, Azza wa Jal. Je termine. Il me reste quelques paroles à dire et ensuite je réponds à vos questions. Au paradis, tout ce que tu veux, un exemple, tu veux un jouet, ben t'en auras 10. Tu veux un fruit, t'en auras 10. Tout ce que tu veux, tu l'auras 10 fois. Et les garçons du paradis, ils ressemblent à des perles. Et sachez qu'il y a un cadeau encore meilleur que le paradis. Il y a un cadeau encore meilleur que le paradis. Écoutez ce qu'elle a dit Ferdaous, c'est très très bien Ferdaous. Au paradis, il y aura un cadeau encore plus beau que le paradis. C'est le fait de voir Allah Azza wa Jal. C'est que dans le paradis, on pourra voir Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et tous ceux qui iront au paradis, ils ne mourront jamais. Le paradis, ça s'arrête jamais. Et ils ont rendu Allah Azza wa Jal content. On lève les mains, on demande le paradis. Allahumma inna nas'aluk al-janna wa na'udhu bik min an-nar. Rabbana atina fi dunya حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Donc, qui avait des questions? Oui, Imran. Est-ce que dans la rivière, il y aurait... dans le paradis, il y aurait une rivière et on peut boire l'eau... Est-ce que ça sera de l'eau potable? Bah oui, ce sera la meilleure eau du monde. Oh! Ce sera une eau fraîche, une eau magnifique, une eau qu'on n'a jamais bu ici. C'est pas le Zemzem. Oui, Ishaq, encore plus bon que le Zemzem. Oui, Ishaq. J'ai pas entendu Ishaq puisque tout le monde dit parle en même temps que toi. Est-ce que quand on va au paradis, on va jamais avoir faim? Alors au paradis, c'est une bonne question. Au paradis, on n'a pas faim, on n'a pas soif. Tout ce que tu manges, c'est par plaisir. Tout ce que tu bois, c'est par plaisir. D'accord? Naam, Firdaus. Est-ce qu'à la fin des temps, il y aura un ange qui va mourir? Naam, à la fin des temps, tout le monde y va mourir. Et même la mort, elle va mourir. Qui la mort?
Même la mort, Allah Azzawajal, il va transformer la mort en un beau mouton. Et même ce mouton, il va mourir. C'est-à-dire même la mort, elle meurt. C'est-à-dire que ceux qui sont au paradis, ils ne meurent plus. Et ceux qui sont en enfer, ils ne meurent plus. Oui, Ishaq? T'as oublié? Vas-y, est-ce qu'on va jamais dormir? Alors au paradis, tu te reposes. Mais tu n'es pas jamais fatigué. Ouais, si tu veux te reposer... Jamais oui, Cyrine? Alors en enfer, oui, les gens ils vont manger, mais ils vont manger l'arbre de Zakoum. C'est un arbre où ses têtes, ça ressemble à la tête du shaitan. On écoute Oumaïma. En fait, moi, j'ai des doigts de la mosquée, c'est des doigts à toi. Oh, t'as des doigts à moi. C'est vrai. C'est des doigts qu'on répète ici en classe, tu les as à ta maison. C'est bien les enfants. Donc, parmi les plus grands moyens pour aller au paradis, c'est de faire la prière. Donc aujourd'hui, on va parler de la prière.